sans graisse et tout ce qui. Dương bảo bác ấy quay đây. Bây giờ nhiều người vẫn hay thích kiểu nói về việc gọi là thực phẩm sạch rồi là sẽ phải nấu ăn như thế nào cho nó vệ sinh rồi nó gọi là healthy. Đấy. Nhưng mà đấy, bác ấy chưa nói xong. Le problème, c'est que c'est dans la graisse qui est tout le goût. Vous voyez, j'ai bien séparé le loin de la graisse. Donc ça, j'ai tout le retiré. Alors toujours, oui, il faut un bon couteau. Alors ça, si vous voulez savoir, c'est un désosseur. Je l'ai depuis le lycée hôtelier que j'ai fait il y a 34 ans. À l'origine, il était comme ça. Alors, comme j'ai dit, la graisse est bonne. On va la garder. Ça a du goût. Je vais faire un petit peu un quadrillage. Tôi sẽ chia ô, phần bì. Pour la cuisson. Dương bảo bác đừng xong giờ lên nhé. Je vais le retourner. Je vais l'assaisonner tout simplement avec un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On va mettre un petit peu de thym, la fleur de thym. Donc ça, ce sont les herbes typiques de Provence. Vous voyez ici. Elle a beaucoup d'odeur, elle est très bonne aussi. On va prendre un petit peu d'ail aussi. On va l'écraser un peu pour qu'il y ait plus de goût. On va y mettre un petit peu d'huile d'olive normale. Mais c'est la genre olive. Pour le goût. On va le retourner. C'est la plus grande. Comme ça, avoir un bon quadrillage. Et ça, ça va être très bon pour manger après. On va le mettre au four. Comme ça, ça va être la première chose parce que la graisse, il faut que ça cuise. Là, je vais le mettre à 180 degrés parce que normalement j'ai qu'une heure, je crois que je vais dépasser un petit peu. Le mieux, ça serait de le mettre à 120 degrés pendant 2 heures. Coupé. Rồi, 1, 2, 3, 1, 2, 1, bắt đầu. Sur la planche, c'est plus pratique à faire. Điều bắt buộc ở đây là các anh chị sẽ phải lau khô miếng thịt. Nó sẽ giúp các anh chị thứ nhất là sẽ không bị trượt khi mà thái, khi mà xử lý tiếp theo. Và thứ hai là cũng sẽ giúp cho cái miếng thịt trông nó sạch sẽ và nó thẩm mỹ hơn. Bon, après, comme vous avez, généralement c'est 9 os, vous prenez les os les plus longs pour une portion normalement comme ça fait à peu près bon, 160-180 grammes par personne. Vous coupez 4 os les plus grands et 5 os les plus petits. Tôi đã có 9 cái miếng xương thì có thể tôi sẽ chia ra phần lớn hơn là 5 miếng và 5 khúc xương còn lại là sẽ là miếng xương sườn. Et après, moi ce que j'aime bien c'est généralement je garde qu'un seul os et les autres je vais les enlever. Parce que comme on a vu hier avec un groupe qui avait tout utilisé,
on va pouvoir utiliser ce morceau pour faire un jus. Cách làm của tôi đó là tôi sẽ chỉ giữ một cái xương để làm cho đẹp thôi. Còn lại thì bốn cái miếng xương là những cái miếng phần xương còn lại tôi sẽ bỏ đi hết. Thì tôi cũng có hôm qua có một đội cũng đã làm thịt, làm trình bày món gà cũng đã để quá nhiều xương mà tôi đã góp ý rồi. Ça va nous aider. Pour enlever toute cette partie qui n'est pas vraiment bonne. Ah, je pense avoir affûté mon couteau ce matin, mais je n'ai pas aussi bien affûté. Có cái phần này em không biết tiếng chuyên ngôn gì nào. Đấy. Cần phải bỏ đi, các anh chị cũng phải chú ý. Truyền cân. Ok, là vào le plus propre possible. Maintenant, ce qui est important, c'est l'os aussi. De bien le nettoyer. Xương cũng phải xử lý bằng cách là phải rửa rất sạch và vệ sinh hết. Pour ne pas qu'il noircisse à la cuisson. Si vous laissez de la viande, il va y avoir l'albumine du sang qui reste. Et l'albumine, comme vous savez, ça noircit et c'est pas joli. Parce que maintenant, ils vont même faire en Australie des gens de wagyu australiens où vous verrez beaucoup de graisse dedans. Alors, faut pas qu'il y en ait de trop quand même. Parce qu'une fois, j'ai mangé un wagyu 8 de bœuf. J'ai pas mangé à la japonaise comme où on mangeait un petit morceau bon, j'ai mangé à la française avec 180 grammes et j'étais malade tout l'après-midi. Ông ấy giải thích là bây giờ ông ấy đang thấy là có một sự thay đổi trong việc đánh giá chất lượng. Tức là ông, mọi người đều nhìn thấy là ông vừa đưa ra miếng thịt thì ông ấy bảo là cái miếng thịt này nó có quá đỏ, nó có hơi ít mỡ. Thì ông ấy cũng còn nói là ông từng ăn một cái miếng wagyu chất lượng 8 ở Nhật Bản và cái miếng ấy gần như là không có một tí mỡ nào và khi mà ông ăn xong ông cảm thấy ông ấy gần như bị đổ bệnh luôn. Nó quá tệ. Dù là một cái loại chất lượng được đánh giá chất lượng cao nhưng mà nó lại không hợp khẩu vị. Mọi người chú ý là thịt, khi chọn thịt cũng phải để ý một chút. Alors là, avec tout ça, on va s'en servir pour faire un petit jus. Alors certaines personnes, ce qu'ils font aussi, comme ils n'aiment pas la graisse, ou si on est dans un restaurant qui veut se dire diététique, la graisse de l'agneau, ils vont la couper comme ça, ils ne vont pas faire comme moi la cuire, là, et ils vont s'en servir aussi pour faire le jus. Ok, ça fait un très gras. Donc comme là, je n'ai pas beaucoup de graisse, je vais être obligé de rajouter un petit peu de graisse. Trước không không yêu thì em chọn bỏ mỡ trước khi cho vào lò và họ sẽ cho vào cái phần xương này để họ làm cái nước sốt. Tuy nhiên là ông ấy thì ông đã cho hết mỡ vào cái phần thịt mỡ vào trong lò rồi. Nên là bây giờ ông phải cho thêm một chút gọi là dầu ăn vào để tăng thêm cái độ mặn của nước sốt này. Rồi mới tạo một chút. Alors maintenant, quand vous avez une viande, comme une viande rouge en général, si vous avez un banquet, ou si par exemple vous avez une table qui est réservée d'avance, et les gens veulent manger saignant ou bleu, c'est mieux de laisser la viande dehors pendant une heure ou deux. Pourquoi ? Si elle est bleue, elle est juste saisie, et si elle sort du frigo, au centre, elle ne va pas être chaude. Donc la viande, vous la laissez dehors. Vous la mettez à côté d'une source de chaleur, comme ça, même si elle n'est pas cuite, elle aura un petit peu de chaleur, elle ne sera pas froide. Ông ấy chia sẻ một cái mẹo khi mà các anh chị xử lý thịt đỏ.
vì người lên thì khuyên là trước khi mà các anh chị xử lý thịt đỏ nên để thịt ra khỏi tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ và để cho thịt nó nguội một cách tự nhiên. Khi đấy thì các anh chị có thể thoải mái xử lý thịt theo gọi là thịt tái hoặc là thịt gọi là medium rare theo các anh chị thích. Còn nếu trong trường hợp bị gấp quá thì các anh chị có thể để cạnh một cái nguồn nóng như thế này thì nó cũng sẽ giúp thịt nó tự gọi là tan ra, nhưng mà đương nhiên là chắc là khi mà đã quá gấp thôi. Còn không thì ông cũng không khuyên các anh chị để cạnh một lượng lò nướng như thế này, không bếp nướng như thế này. Alors jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Xin các anh chị hỏi một câu hỏi bất kể gì cho ông, tại vì bây giờ ông ấy chưa thấy ai thắc mắc gì. Non, bon, moi je vais me laver les mains. Je t'explique tout. I'm going to explain you because I show you something. Vous avez toute la graisse qui commence à sortir. Ça va cuire, ça va y aller. Day for 180 degrees for about how long? Là, 200. 120, yes. 2 heures, ça serait le mieux. Mais là, comme on n'a qu'une heure, à peu près, j'ai mis à 250. Okay, I see. Yeah. Okay. Mais j'y arrive toujours pas. Même après 15 ans en Asie, j'y arrive toujours pas. Ông bảo là cho dù ông ấy sống 15 năm ở châu Á rồi, nhưng ông không thể nào ông ấy gọt đúng ở châu Á được là gọt xuôi. Ông ấy gọt được những người châu Âu. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Je crois que j'ai plus des pommes de terre depuis que j'ai 10 ans quand j'aidais ma mère en cuisine. Monsieur Da, il a dit que ça, les bouchers, c'est un skill très particulier asiatique. Oui, mais je pense que c'est une meilleure technique que la technique européenne. Parce que par exemple, nous, quand nous épluchons en coupant un légume, on le coupe comme ça. Okay? Et quand on réfléchit, on prend plus de risques, c'est plus dangereux, parce que si on pousse, et ça m'est arrivé, vous pouvez vous couper le doigt. Alors que dans beaucoup de pays, comme ici, l'Indonésie, les Philippines, j'ai vu, ils coupent comme ça. Et moi, je ne sais pas faire. Et comme ça, vous n'avez pas le risque de vous couper. Donc, c'est une meilleure technique. Ông ấy bảo là cách làm của châu Á thì ra là cái kỹ thuật gọt của châu Á là chuẩn hơn người châu Âu rất nhiều, tại vì cái việc mà gọt ngược này thì thường xuyên là vào ngón tay cái, ông ấy cũng bị rất nhiều rồi. Nên là ông ấy bảo là nhìn cho người châu Á làm thì gọt xuôi thế thì gần như không bao giờ có cái khả năng đứt tay. Tuy nhiên là ông ấy cũng không sửa được, tại vì ông ấy đã gọt như thế này từ khi ông mới 10 tuổi. Nên là nó quá lâu rồi. En cuisine, il faut être ouvert d'esprit et il faut bien se dire que... Moi, au début, je me disais, mais ça va pas, ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, les commis, je vais leur apprendre à faire mieux. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais non, c'est ridicule ce que je leur dis en ce moment, parce que c'est pas vrai. C'est pas plus pratique pour eux. Ông ấy bảo là ông ấy về mặt gọi là ý thức thì ông ấy biết là cách làm của châu Á thì cách gọt của châu Á thực ra là rất là chuẩn và rất là an toàn, nhưng mà về mặt gọi là kỹ thuật thì ông không thể sửa được, tại vì nó đi vào trong gọi là kỹ năng từ xưa mất rồi, nên là mọi người thông cảm. Bon, alors maintenant il y a une chose que je fais très mal en ce moment. Faut que vous me disiez quoi par la fin de la journée. Il y a une chose qui est très mal que je fais depuis le début. Faut que vous me dites quoi. Trong ngày hôm nay ông ấy sẽ có ít nhất là 2 lỗi. Vậy mong các anh chị sẽ chỉ ra được 2 lỗi ông ấy đã hoặc là sẽ làm trong ngày hôm nay. Ông ấy bảo là một lỗi ông ấy. C'est bon, vous avez 45 minutes, donc il n'y a pas de problème. Bon, các anh chị còn 45 phút để suy nghĩ và quan sát, không có vấn đề gì cả. Je veux une critique. Comme ça, j'en aurai plein, comme je dis pas ce que c'est. Bon, on va faire les pommes fondantes. Qui sait ce que sont les pommes fondantes? Pommes fondantes. Pommes fondantes, oui. C'est un truc brisé, des pommes fondantes. Mọi người có đoán được ông đang làm món gì không ạ? Về khoai tây không ạ? Có ai có câu trả lời không ạ? Khoai tây luộc. C'est un classique français. C'est-à-dire, ça va être cuit dans... C'est encore une cuisine pas très... healthy, je dirais. Parce que ça va cuire dans un bouillon et avec beaucoup de beurre. Ông nói đây là một cái món truyền thống người Pháp. Sẽ được luộc trong nước sôi và bổ sung thêm một lượng beurre. Bien sûr, il faut qu'elle soit tout égal
normalement on prend un emporte-pièce, mais comme il n'y a pas d'emporte-pièce à l'école là-bas, je me suis dit on va les faire à la main. Alors c'est des, on va les couper toutes de la même taille. Ici ça va, ça va. Là il faut que ça coupe un petit peu. Il faut les mettre tous. Alors pourquoi, à votre avis, quand on coupe les légumes, il faut essayer qu'ils soient tous de la même taille? Vous avez une idée? Est-ce que vous avez un truc pour dire, créer des trucs uniformes? C'est plutôt que... Ben oui, normalement il y a un emporte-pièce. Mais comme j'ai dit, comme il n'y a pas d'emporte-pièce à l'école, vous êtes trois pour faire ça en une heure. On va le faire à la main. Ok. Ông bảo bình thường thì ông ấy nếu mà làm số số đông thì ông ấy cũng sẽ có một cái công cụ như thế, nhưng mà đang làm cho mọi người thì ông sẽ làm một tay. Un emporte-pièce, c'est quelque chose pour couper en métal ici. Ông bảo là ông ấy có cái miếng bằng bằng kim loại như thế. Il a demandé si vous avez ajouté quelque chose dans l'eau ou pas. Non, que de l'eau. Non, c'est pour là, je n'ai pas géré. Je dois avouer que je manque d'entraînement, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait comme ça. Je commence à chercher des excuses. Ah ouais. Bon, alors combien de temps il nous reste là? J'ai encore beaucoup de temps ou pas? Comment j'en suis? En timing, en quelle heure il est là? C'est 8h55. Oula, j'ai dépassé là, la pharmacie jusqu'à 8h30. Bon, pomme fondante, comme j'ai dit, bon, comme j'ai pas jus de poulet, on va faire naturel, mais ça va être le coup. On va le faire au thym. Le mieux, ça c'est d'avoir un fond de volaille pour qu'il ait plus de goût. Là, on va le faire juste avec un petit peu d'eau. Et on va donner le goût avec le thym. On va les saisir pour les colorer un petit peu. Après, on va rajouter le beurre. Là, on va mettre de l'eau avec un petit peu de thym pour avoir un bon beurre. Bon, maintenant, on va commencer à attaquer. Là, on a la graisse qui est de l'autre côté, le jus qui est là, les pommes de terre vont commencer. J'ai encore une demi-heure. On va commencer par saisir l'agneau en premier. Parce que pareil, c'est toujours mieux quand on saisit l'agneau, à part son qu'on vient cuit, de laisser reposer la viande un peu. Parce que quand vous cuisez l'agneau et vous sortez du four, vous le servez tout de suite, surtout quand c'est saignant, vous coupez, il y a tout le sang qui part. Donc même s'il est saignant, il devient sec. Vous cuisinez 20 minutes en avance, vous laissez au chaud, comme ça ne refroidit pas. Dernier moment, on lui remet un coup de chaud et c'est nickel. Tiens, on va les couper dans les terres de céréales du coulo. Tiếp theo là các loại rau củ, khoai tây đây, và cuối cùng đó là cái thịt này, không muốn làm thịt này có thể làm cùng lúc với cả ba với cả hai cái để mà thịt sau đấy thịt sẽ chín rất nhanh. Các anh chị sẽ có một thời gian để cho thịt nó ở thịt nó nghỉ sau khi mình đã bỏ vào khoảng trạng. Alors je vais jeter un coup d'œil à l'agneau un autre coup, peut-être qu'on ne veut pas le brûler.
important aussi, c'est de bien connaître sa cuisine. Tous les fours sont différents, tous les feux sont différents. Donc quand on arrive dans une cuisine, on fait toujours des erreurs. Parce qu'une plaque, elle chauffe comme ça ici, dans un autre hôtel, elle va chauffer différemment. Donc au début, il y aura toujours une erreur. Il y a toujours une part d'erreur. Comme là, moi je sais avec le temps, au fond c'est plus chaud devant, c'est moins chaud. Donc suivant comme je veux que ça cuise, c'est différent. Si je retourne dans une autre cuisine, si le matériel n'est pas impeccable, c'est plus compliqué. Ah oui, bon là, là c'est, on met des oignons, on met le, la tomate, on fait tout cuire, et voilà. Et des fois, c'est très bon. C'est la cuisine familiale qu'on mange, il y a toutes les gouttes, les saveurs. Et après, quand on monte en catégorie, qu'est-ce qu'on va vouloir? C'est garder les couleurs, les vitamines, des légumes. Plus on cuit un légume, plus il perd de vitamines. Et après, c'est mâchis, c'est plus agréable. Là, ce que je vais chercher, ce que je vais vous faire voir et ce que je vais chercher ce soir, c'est que les légumes soient cuits à point. Ok. Oh, c'est là, c'est c'est pareil, il faut choisir la bonne taille des poils, autrement ça ne va pas donner de bon résultat. Oui, c'est bon. Alors là, vous en avez fait ça avec lui. Excuse-moi, comment ça s'appelle? Alors, ce que je voulais expliquer hier, c'est que tu vois, regardez bien, bon là, on va cuire un petit peu. Bon, ça c'est la graisse de base. Comment elle a trop cuit, de toute façon, c'est pas bon. Si on continue à retirer avec cette huile-là, en bas, ça va brûler. Donc, quand c'est marron clair, comme ça, okay, là c'est marron clair, c'est là où vous avez le meilleur goût. Alors, ce qu'on va faire, on va... Là on a qu'un tout petit peu de sucre, donc on va essayer de les diluer dans l'eau. Vous voyez, là, l'eau, elle a déjà un peu plus de couleur. On essaye de bien réduire. Et c'est là où vous effacez bien les saveurs. Okay? Et ça, on va le faire deux fois. On peut faire jusqu'à trois fois. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est des fois un petit peu compliqué. Je vais rajouter un petit peu de jus parce que lui, pour que ça frit, pour que ça continue encore à prendre un peu plus de couleur. Il faudrait essayer un petit peu plus de couleur. Mais comme ça, avec l'eau, ça va aussi faire bouillir les parties, ça va extraire des sucres qui vont rester sur le fond du plat. Bon, je vais pas avoir autant besoin d'oignons pour ça. Bon, il y en a, je sais, ciselé classique français. Il faudrait faire comme ça, couper. Comme on a des bonnes lignes, moi je vais suivre les parties comme ça et après je vais le couper. Ça pour moi c'est pas un gros point de. C'est pas un gros problème, je dirais. Alors, je sais pas si c'est un goût personnel et tout, si je trouve que ça donne un meilleur goût. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours des oignons et des tomates light, compotées en premier. Bon, huile d'olive.
ông ấy luôn là vì quen cá nhân thì ông ấy luôn xử lý hành với tòa đầu tiên. Ouais, des oignons à premier. J'aime bien que les oignons sont sués. J'aime pas trop les oignons croquants. Une base pour faire un genre de, de sauce tomate, je veux dire. Ah oui, il a fait encore là. Mon cake, il ne peut pas être jaune. Mais bon, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais très mal depuis le début? Vous n'avez toujours pas trouvé? Right here, for look like the over there, il est long, il est comme dans le fond. Pas de petite idée encore? Vous allez être disqualifié les gars, c'est très mal ce que je fais. Je suis un petit peu pervers quand même. Hein. You knife? Alors oignon, ail. Tout dépend des gens, moi j'aime bien l'ail, juste coupé en tranches. Il y en a qui l'écrasent, qui les mettent en petits bouts. J'aime bien avoir les morceaux d'ail, je trouve que c'est agréable et c'est bon à faire. Et je mets beaucoup d'ail en général parce que c'est bon pour le cœur, le cholestérol. Okay. On va prendre notre petite tomate chérie pour faire notre base. Alors, si vous tapez vraiment dans le haut de la gastronomie, il faut une tomate romaine. Normalement, vous la blanchissez. Ça veut dire juste à faire bouillir pour enlever la peau. Vous enlevez les pépins. Et tout. Các chị nếu mà đã phụ nhà cao cấp thì chắc chắn là đều biết những cái kỹ năng để mà xử lý ở cái chuồng. Alors faut aussi pour tout mettre si on met tout en même temps, comme entre les poivrons, les aubergines et les courgettes, c'est des consistances différentes. On va pas si on met tout en même temps, il y en a qui vont être trop fines, il y en a qui ne sont pas assez fines. Bon là la tomate. Je la veux confite, enfin bien cuite, et tout dans la graisse. Donc, on va la mettre au début. Puis après, tous les légumes, je les mets en fonction de leur consistance pour que dans un quart d'heure, ce soit nickel. Bon, vu le temps, ça va pas être un petit fond très très fort. Là, je vais commencer à enlever la graisse. Les trucs qui coincent. Je vais mettre un peu de beurre. Parce que bon, en cuisine italienne, surtout dans le sud, ils utilisent l'huile d'olive et pas le beurre. Pourquoi, à votre avis? Elle a dit que dans le pays du sud, par exemple, en Italie, là-bas, ils préfèrent plutôt les poissons et les fruits de mer, c'est pourquoi ça ils ne préfèrent pas. Bah, c'est comme la cuisine dans tous les pays, c'est la même chose. La base de la cuisine, commencer ici dans le nord, dans la montagne, dans le nord, à Hué, en Seine, les goûts sont différents. Et pourquoi? Parce que tout dépend à la base de qu'est-ce. Comme il n'y avait pas les mêmes transports, tout dépend ce qui était possible de trouver. Alors,
núi, vùng biển hay là thậm chí ở Huế, Sài Gòn thì phương tiện di chuyển này đơn giản để mọi người có thể sử dụng bất kể cái gì mà cho đúng chuyên nguyên chúng tôi đã chọn. Donc comme dans le sud de l'Italie, il n'y a pas beaucoup de vaches, mais il y a beaucoup d'oliviers, d'olive fruits. Donc c'est pour ça que matière grasse, ils utilisent plus d'huile d'olive à la base. Bon, on va peut-être commencer à couper les murs ensemble. Vous savez, d'être dehors, là, il est un peu humide, on va continuer à bien le sécher. Cette poire basse. Comme ah, vous n'avez toujours pas vu ce que j'ai fait de mal. Je vais me fâcher. Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que la faute c'est dire que vous ne ajoutez aucun poivre, sel sur... J'ai mis du sel de poivre. Mais avant. Non, je... Le problème c'est que du sel, si vous mettez le sel devant, ça fait ressortir le sang. Donc il faut le mettre juste avant. Il y a même des chefs qui disent on sait que une fois qu'on a fait le sel. Bon, je vais vite me faire une petite promenade, voir comment ils vont. Même si elle est bonne, elle n'a pas besoin de. Donc, si vous voulez faire quelque chose avec un jus d'agneau, vous pourrez faire ce que vous qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne me rappelle plus, je dis moi. Bon, on va garder la graisse, mais là il y a des morceaux de viande. Il y a la morceau de viande qu'on rôtit. Et comme on veut la graisse d'avoir tout à peu près la même taille. Hein. On va pouvoir continuer un peu. On va remettre dedans. Et on va continuer à cuire. Mais par contre, sur cette partie-là, il y a de la viande. Donc, on va essayer de faire aussi les mêmes filets. Les mêmes filets, on va en faire les mêmes filets. Les mêmes filets, on va en faire les mêmes. Et ça c'est très bon, de toute façon, moi je mange ça. C'est pas très bon pour la santé, mais le goût c'est excellent. Alors si vous avez un disco, vous utilisez cette viande-là pour mettre dans des pâtes. Ouais. Très bon. Si vous êtes...
trong thực ra trong bất kỳ nhà hàng nào phần này người ta cũng có thể sớt được, nhưng mà ở đây thì ông ấy tuần sau ở đây chờ sắp thêm phần hương vị. Quelqu'un peut compter 7 minutes. 7 minutes. Là, on peut faire encore. Hein. Bon, comme tout a été lavé avant, je vais pas le faire, mais il faudrait le faire. Alors, pourquoi on l'a fait bizarre? Comme c'est le poivron qui est le plus long à cuire, je vais faire le poivron en premier. Ce qui est important, c'est surtout quand il y a de la couleur verte. Ce qui est joli, c'est quand il y a des jaunes, mais je n'avais pas de jaune. Okay. Alors pareil, si vous faites du fine dining, vous êtes sûr que tous les carrés sont de la même taille. Et avec les bouts comme ça, vous allez faire une sauce, une vinaigrette, un coulis, une autre garniture. Parce que bon, même si faut bien qu'ils se disent que tout ce qui part à la poubelle, c'est l'argent qu'on met dans la poubelle. Alors en fait, les pommes de terre tournantes, il faut que ça boue avec le beurre, et le beurre il se mélange avec l'eau qui boue, ça fait, j'irais, bah, c'est presque comme si vous cuisez dans du beurre blanc. Alors, on va commencer à mettre un petit peu de sel. Bon, on va mettre un peu de bouillon un petit peu. Ah, oh, j'ai oublié de mettre le vin blanc. Alors quand on oublie, il faut récupérer. On va le récupérer là. Alors si je mets directement là, quel est le problème? Voilà, c'est pour réduire un petit peu l'acidité. L'acidité, il faut toujours le mettre en premier, à réduire, et après on le met dedans. Alors si j'ai oublié, on en remet, ça va rajouter de l'acidité dedans. Vous le faites à côté, vous faites réduire. C'est bon. Vous voyez, même dans des trois macarons, par exemple, les légumes, la courgette ou l'aubergine, ils vont la couper aux tranches de jambon pour être sûr que tout a la même taille. Comme ça, là, il y a la tomate, les courgettes, non, ça va. Oui, ça boue, donc le liquide et le beurre, ils sont presque mélangés, là. Il n'y a plus la séparation. Là, il y a encore un, faudrait que ça boue un petit peu plus. Il faut que ça fasse l'émulsion entre le beurre
bên liquid. Đấy, các anh chị để ý cái miếng bơ nó đang ở trong cái thể lỏng, nó đang rất là đang ngấm ở trong cái phân này. Dans les courgettes. Đây là bí ngòi ạ. On prend les côtés parce que le cœur généralement ça cuit trop vite. On va faire comme ça. Các anh chị để ý là sẽ phải để cái phần lõi của cái quả bí ngòi nó riêng để cái lõi nó chỉ rất nhanh. On a combien? 5 minutes là? On a encore 5. Donc, faut toujours avoir le timing dans la tête, les gars. Vous faites quelque chose, faut ah tiens j'ai ça dans le four. C'est ça qui est très dur en cuisine parce que faut vous faites comme là. Il y en a combien de choses en même temps à faire? Une heure, non? Oui, non, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 choses à faire en même temps. Oh oui, non là. Các anh chị phải tính thời gian rất chuẩn, tính thời gian để phải hiểu là cùng một lúc mình phải làm bao nhiêu việc và mỗi việc nó hối lên nhau như thế nào để cho không để cái gì nó bị quá lửa quá thời gian cả. Hạn như mình đang có một lúc 5 đến 6 việc bây giờ thì mình cũng không được phép là để cái này quên mà đang làm cái này quên cái kia. Bon, mes zucchini ne sont pas encore assez cuits, donc les poivrons sont pas assez cuits, donc je mets ça. Le vin blanc, on met un petit peu là-dedans. Cái rượu trắng đã được xử lý xong thì bây giờ ông ấy sẽ bỏ vào. Và còn lại thì ông ấy cho hết vào trong cái hồ nước sốt. Voilà, vous voyez là, le beurre il se mélange bien. Le beurre il se mélange bien avec le liquide. On voit pas de différence entre le beurre et le liquide. Et tout ça, c'est le, les pommes de terre vont prendre tout. Hein? Các anh chị nhìn thấy là cái beurre nó đang sôi và nó đang gọi là ngấm dần vào khoai tây. Các anh chị cứ để ý là đừng để cho cái. Comme j'ai dit, on n'a pas le temps de faire un bouillon de chicken, de poulet. Donc, on va mettre ces feuilles de thym, comme ça, ça aura un goût. On va mettre une sauce. Chuẩn của cái phần này, phải có thêm một ít cái gọi là nước sốt gà, à nước cốt gà. Chicken stock. Chicken stock, nhưng mà bây giờ thì không, ông ấy không có, cũng không muốn chuẩn bị cho cái món này có nhiều chất. Ông ấy sẽ cho một ít than vào cho nó có hương vị thôi. Là ça va être bon. 7 phút qua. On va mettre les courgettes. Hết 7 phút. Voilà. Hết 7 phút, còn 1 phút. Còn 1 phút. 22. Monsieur, c'est l'heure. C'est 7 minutes déjà. Moi. Il est trop cuit. Bon. On va peut-être en faire un vite fait pour la photo. Ça va être un peu trop cuit. C'est bien, on va dire pas. Bon. On va finir son premier. Oui. Alors, toujours pas trouvé ce que je fais de man. Non, on peut avoir peur, hein. C'est fait exprès. C'est fait exprès, il y a une raison. Il y a deux raisons. I have one question, please. Go ahead. So if we can deglaze the white inside after we bell fry with onion and garlic first, mm-hmm. And then later we will put another vegetable like eggplant and the bell pepper and yuzu, mm-hmm. Is that okay? Yeah, for the, you can for do the vegetable. Same as like this, there is no problem. Any problem? No. Clean the sauce. Ça
va être bon. Ça va être bon de 8 minutes. Elle a la question, Vas-y. Elle a posé si c'est une faute ou pas. Elle a dit que pour la sauce, vous n'avez pas. Ouais, j'ai pas répondu à la question. C'est un goût personnel. Quand on fait des jus courts comme ça, je veux que le goût de l'agneau. Donc, je ne mets rien d'autre. Si on fait comme les bases, les demi-glaces, le fond blanc, le fond de volaille, je mets dedans. Et après, il y a pour les fonds de base, comme la demi-glace, oui, les fonds de fumée de poisson, fumée de volaille, oui, je mets des légumes pour avoir un peu plus. Ce que je vais mettre comme légumes, ça va être les fins, les oignons que j'ai pas fini de couper, les carottes, le céleri et tout. Sur un jus court comme ça, je ne trouve pas que ça apporte beaucoup de goût. Je veux le goût de l'agneau, donc c'est l'agneau que je fais. C'est pour ça. En fait, c'est bien que j'ai trop cuit l'agneau, parce que j'avais oublié de vous parler d'une chose, c'est que l'agneau, vous avez aussi une partie où il y a cette partie de graisse et tout, quoi. Donc ça, c'est pas bon, mais si vous enlevez tout après, ça, c'est comme le ribeye du bœuf avec ça. Il faut le garder, cette partie-là est très bonne. Donc, quand vous avez dit que 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 vous avez Vous coupez un petit peu comme ça, parce qu'autrement ça ferait vraiment trop de perte. Et après vous perdez tout ce morceau de viande là, et vous avez un œil qui est trop petit, ça fait trop de perte, trop cher. Je bouge, je vais le mettre à côté du feu parce que comme je ne veux pas trop cuite et l'aubergine conduit très vite, je le mets à côté, je réchauffe au dernier moment et ça sera suffisant. Khi nào trước khi sớp bắt đầu mới cho vào lửa to đảm lại muối là xong. Cho nên là rẽ thì mới cuốn. Cuốn được ra thì anh ấy sẽ phát hiện ra nhiều. Cái một chút thứ. À đây em muốn hỏi là ví dụ cái miếng cam ở trong cừu á, nó thường sẽ bị dai ấy, ông có cách nào xử lý nó? Có thể bị dai thì ông mới miếng cừu á. La question à vous. Ouais. C'est que la partie blanche dans l'œil, mais apparemment elle a une texture très difficile comme ça. Comment on va traiter cette partie? Cette partie-là ici? C'est une graisse qui est très simple. Les gens ils aiment bien. C'est pour ça que généralement, quand les gens, ils, par exemple sur le bœuf, ça c'est l'équivalent du sirloin, donc un peu plus dur, ça c'est l'équivalent du ribeye. Et les gens préfèrent parce que justement cette partie de graisse est bonne. La seule chose que je pourrais mettre, c'est un petit peu d'ail. Je la mets en pierre. Encore vivant, hein. Me stresser là, j'ai cuit trop fort mon agneau. Merci, bon appétit.
cho anh hỏi là từ nãy giờ sếp đã nấu hơn 1 tiếng rồi đúng không? Thế thì tí nữa cái thời gian của bọn anh 60 phút thì nó hay là có, hay là người ta có thể cho thêm thời gian hoặc là chỉ trong 60 phút cho thêm bởi vì nó chỉ lấy được hơn 1 tiếng rồi. Chaque instant, il a dit que 60 minutes pour le test, c'est suffisant ou pas? Il faut ajouter un peu. Hein? Les 60 minutes pour le test de l'après-midi, alors c'est suffisant ou pas? Il faut ajouter quelques minutes. Je suis tout seul. On a fini dans 5 minutes le temps que tu as mis. Non, voilà. Ça va. Như sếp vừa nói cái kia là hơn 1 tiếng đúng không? Đấy. Em có công nhận không? Để em hỏi lại. Rồi đấy, ok. Sếp il a dit que le temps pour la cuisson c'est 1 heure. Donc c'est juste 1 heure pour préparer, traiter et cuire. Alors c'est suffisant. Juste pour le temps pour le fond. C'est bon, regardez. Là, ça fait combien de temps qu'on y est? Ça fait déjà 1 heure et 10. 1 heure 10. Bon là je refais l'agneau, mais disons il y en a qui sont sur la ratatouille, un sur le jus, un sur la viande. Et vous n'êtes pas en train de travailler, vous n'êtes pas en train d'expliquer ou des choses comme ça. Bon voilà, puis là, on va faire le mieux. Ça va remarquer quand même, ok? Voilà. Bon, c'est vrai que vous pouvez plus d'ailleurs, vous pouvez trouver toutes les excuses qu'on veut, j'ai peur. The meat, how is to cook? Rare, medium? Nó phải là chín vừa, chín kỹ hay là... Em sẽ bị ông ấy bảo là thực ra thì canh chị đã thấy cái miếng thịt này thì nó cũng hơi có chín quá rồi. Một chút rồi sau đó ông ấy muốn. Nhưng mà thực ra thì ai làm có lỗi, như là thực ra cái chi thì canh chi thì cũng có thể có lỗi. Nhưng mà nếu là mình sẽ hiểu kỹ thuật và giải thích được cho mình. Đây là vấn đề của mình. Donc oui, c'est mon erreur, je vais chercher des excuses, de dire que c'est la faute de n'importe quoi. Maintenant, quand on fait une erreur, il n'y a pas de problème de faire une erreur. Le problème est de savoir pourquoi on l'a fait, pour ne pas recommencer. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai fait une erreur de trop cuire l'agneau? Vous savez, quand il continue le problème, il va essayer de faire le problème. Pourquoi il a eu le problème pour le fait que la famille est trop cuire? Nướng lò lâu quá rồi. Là que j'ai dit dans le four au début, au fond il cuit vite et au départ il cuit pas vite. Donc j'ai mal jugé dans quelle partie du four je mets. En plus, cet agneau-là est peut-être un peu petit, donc au lieu de 7 minutes, on va le mettre que 5 minutes. Em hỏi là yêu cầu của món này là chín như thế nào? Il a demandé c'est quoi votre recommandation sur la cuisson, le niveau de cuisson de... Tout est une question de goût. Moi je préférais médium, bien rosé. Il y en a qui préfèrent l'agneau rare, c'est quand même assez. Et il y en a qui aiment bien cuit. Donc c'est vraiment une question de goût. Pour avoir le plus de la viande, je pense que. Medium, medium rare, c'est medium rosé, comme on dit en France, c'est le meilleur. Mais bon, après, on ne peut pas changer d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, en France, dans les pays équatoriens, les gens ne comprennent rien à la nourriture, ils veulent tout bien cuit. Ok? Ok.
khu của mỗi người thôi, thì các anh chị có thể cũng có thể giải thích được trong khi mà các anh chị chế biến món thịt. Maintenant, je suis pas là pour les gens, les goûts, tout le monde a le droit d'avoir son goût. Lạnh. Ben la saison du saumon, il y a une petite, il doit y avoir, je sais pas, je dirais peut-être une toute petite saison qui doit être un mois et demi. Donc pareil, à l'époque où il n'y avait pas tous les frigos, ces modes de conservation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans le sel pour le conserver et ils l'ont mis dans le... Et après, ils ont fait des feux pour que la fumée le conserve. Et à l'origine, ce n'était pas un plat dur. À l'origine, c'était un plat très, très paysan, quoi, je dirais. Bắc Mỹ thì cũng lạnh thì khi mà người ta xử lý cái miếng cá hồi đấy, người ta thường hay ướp muối. Ướp muối và để khi mà người ta làm cho cái miếng cá nó mềm lại thì người ta thường hay xông khói. Chính vì thế mới ra cái món cá hồi muối xông khói. Thì cái món đấy về bản chất thì nó chỉ là cái món để người ta bảo quản thức ăn cho lâu hơn thôi. Mà mới gần đây nó mới trở thành một cái món ăn gọi là đưa vào trong cái nhà hàng. Chứ bản chất nó là một cái món dành cho người nông dân. Alors qu'est-ce que je fais de mal? Tout le monde est disqualifié. Hein. C'est très grave ce que je fais, c'est très très grave. Ông bảo lỗi này khá to, khá là lớn đấy các anh chị. Dùng thớt, dùng thớt. Sai thớt. Ils ont dit que vous utilisez le même plat que pour cuisson. Oui, ça c'est vrai, mais ça j'ai pas fait au début ça. Qu'est-ce que depuis le début je fais mal? Ông bảo thế là đúng là lỗi, đúng đúng rồi, nhưng còn cái lỗi nữa. Mà ông bảo ngay từ đầu, ngay từ bước đầu tiên. Ok, em sẽ đặt hai cả hai câu hỏi. Le monsieur il a dit que vous ne portez pas du gant. Ah, finally! Finally! You know? I want you to maybe to look is at the consistency of the potato. I mean, you know what it is. You know, must be really melting and having the butter taste, olive oil. So as I say, it's like yesterday, the chicken. Some people, everybody has the same chicken, some cook it too much. So for me, a lot of people who like it this way, which is medium well. Okay? I'm going to have the other one medium rare. And here, because you have, I will put just a little bit of jus on top. You make a bit like a beurre blanc, because it's not to separate, you know? You have the liquid. Do you have some butter? And you just put, the butter was done already, you know? And just you put a little bit on it. Yeah. So that's medium well? Medium well. For me, too much. And even if it's not healthy, except the people on diet, you eat this one and the best. Crispy. And then you're good. So, nice. I'm going to clean that a bit. Please test it. Do you used to eat this part or you never eat it? Actually, I never eat this one. Huh? Yes. Còn cái mỡ giống như nằm của Việt Nam mình. I mean, I know in Vietnam also lamb is not so popular. Yes, the